Salut les amis, coucou, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Regardez encore la catastrophe. On vient de rentrer de l'école les amis. Et il y en a une, comme dans les vidéos, elle est en train de faire des lignes. Parce que madame elle écoute pas papa. Et j'en ai marre qu'elle m'écoute pas. Toi t'écoutes pas, toi non plus. Ils sont gentils, juste ils font des petites bêtises. Non, ils écoutent pas. Il faut qu'on répète les choses 15 fois. Et afin de nous éviter qu'on se fatigue psychologiquement à répéter tout le temps et tout, pour donner une petite leçon un petit peu, franchement, on la punit jamais. On la punit jamais à Masmas dans les vidéos, c'est pour rigoler, tout ça, c'est que des scénarios. Mais là, ça faisait longtemps qu'elle avait pas été un petit peu punie. Attends, Cam, s'il te plaît. Et voilà, c'est pour ça, j'ai dit, allez, tu vas faire des lignes un petit peu. Parce qu'en fait, je vous explique, les amis. Je lui ai dit, elle avait des bonbons, des trucs comme ça. Je lui ai dit, là, c'est midi, on va manger. Tu manges pas les bonbons maintenant et t'en donnes pas à ta soeur. Mais je mange bien, même si je mange quelque chose. Et elle m'a pas écouté. Voilà, elle était derrière dans la voiture, elle mange les bonbons, elle en donne à sa soeur en plus. Donc voilà, Camilla, tu vas être, toi aussi tu vas faire des lignes, tu vas te punir. Hein. Stop. Ouais. D'accord? Voilà, elle t'a donné un chewing-gum alors que je lui avais dit non, les bonbons et tout ça, etc. Bon, enfin bref. Bon, aujourd'hui, on a... C'est un jour spécial, les amis. Ouais, il y a une invitée qui va venir. Oui. Vous allez voir. Une fille très 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 gentille, rigolote. Vous allez la rencontrer. Peut-être que vous la connaissez, elle a quand même pas mal d'abonnés sur Instagram. Oui. Je crois dans les 200 000 ouais, et quelques... Je crois plus de 200 000. Oui, elle les mérite. Franchement, elle les mérite. Et voilà, c'est une chanteuse. Oui. Et en fait, elle vient parce que... Pas chanteuse, mais elle aime chanter et tout ça. Ouais, elle a une belle voix. Oui, elle a une très 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 belle voix. Et toujours je la suis, tout ça, je regarde si 24 heures, il fait des fois des petits 24 heures, des sorties, tout ça. Et tu vois, j'aime beaucoup sa personnalité. J'ai dit pourquoi pas, on n'invite pas chez nous, Inch'Allah, et pourquoi pas, on fait pas un petit projet avec elle. Bon, c'est quand même une lettre. Catastrophique. Allez, Yalla, allez, va chercher une feuille. Va chercher une feuille. Catastrophique. Catastrophique. Et voilà les amis, et Inch'Allah on va faire une petite chanson avec elle. Ouais, pourquoi pas, Inch'Allah. Voilà. Là, on va parler, on va la rencontrer. Va dehors. Ouais, c'est une petite fille, elle a 2 ans. Elle vient, elle arrive en train. Non. Starfallah, mais elle le fait exprès. Non, j'ai dit une fille, mais là je crois qu'elle a 20 ans, 21. Non, non, c'est 20 ans, elle est jeune, oui. Oh, moi je croyais qu'elle avait 25, 28, un truc comme ça. 21, 20 ans. Oh. Non, il est jeune. Non, c'est une jeune. Donc voilà, elle arrive dans une demi-heure, on va aller la chercher à la gare. Oui, on va manger ensemble. Ce matin, on nous a livré le canapé, oui. Mais il y avait quelques petits défauts, donc on l'a renvoyé. Direct. Ouais, on l'a renvoyé, ils doivent revenir en fin d'après-midi pour nous le ramener avec les défauts corrigés. Donc voilà, et quoi de plus? Quoi de plus? Ben on va partager avec vous cette journée. Ouais, on va partager avec vous la journée. On va manger le couscous avec notre invité. Oui, il s'appelle Rizlan. Ouais. Vous allez la rencontrer. Vous allez la voir. On vous met en description son Instagram. Oui. Et son nom sur YouTube, Instagram. Oui. Elle a une chaîne YouTube oui, aussi. Oui, elle a une petite chaîne YouTube. Ah, d'accord, on va vous partager tout ça. Et voilà, moi personnellement, je la suis pas, je la connais pas parce que... Ouais, parce qu'elle parle marocain. Ouais, parce qu'elle parle en Oui. Et moi, je comprends pas. Je comprends quelques mots furtivement, mais je comprends pas. Bon, vu que Camilla, elle s'arrête pas et nous écoute pas aussi avec son sac, elle est enfermée dans sa chambre, elle est punie. Ah, t'es contente, ça te fait rire. Regarde-moi là, celle-là. Recto verso, quatrisseau et le toit du seau. Non, baraka. Je rigole. Non, c'est bon, mas. C'est pas écrit très droit, mais bon, c'était pour te. Pour. Voilà, te donner une petite leçon. Donc voilà, Cam, elle s'arrête pas, on lui dit stop, elle monte sur la chaise, elle saute sur le canapé. Bon, ça c'est rien, mais. Elle écoute pas ce qu'on lui dit, elle respecte pas. Donc, pareil.
Hop, donc on va bien commencer le week-end, les amis, parce que là, c'est vendredi. Elles ont fini à midi, les filles. Elles finissent à midi. Donc, commence bien le week-end. Puni. Eh oui, les amis. Il y en a, je sais, vont dire dans les commentaires, le papa, il est méchant, mais c'est pas, je suis pas méchant du tout. Alors, on est gentil avec eux. On fait... Regardez. Franchement. Catastrophique. Rizlan est arrivé, les amis. Il m'a appelé là, il est dans la gare du train. On va partir la chercher tout de suite. Et après, on va partir manger. Salam. Ça va, Rizlan, les amis. Enchanté. Merci, moi aussi. Vous allez la rencontrer. Elle est très, très, très gentille. Elle est rigolote. Qui? Ça me fait plaisir. Inch'Allah, merci. On va passer un très, très Inch'Allah. Bon. Ça va, moi, Sylvia? Je t'en goûte. Ben les amis, on a trouvé la solution Rizlan au milieu, comme ça il n'y a pas de dispute. Elle est là-bas. C'est pour ça qu'on va garder Rizlan tout le temps avec nous. Rien que pour ça. Va venir avec nous en France aussi. Bon les amis, les filles vont aller jouer au jeu là-bas. On est déjà venu dans ce restaurant. Regardez, il y a une petite fontaine à côté. L'endroit il est sympa. Ouais. Là, on choisit à manger. Rizlan a fait la timide. Il a pris hamburger n'importe quoi. Hamburger? Ouais. C'est vrai? Oui, il m'a choqué, j'ai cru qu'il va prendre couscous comme les marocains. Comme mas-mas. Ouais. Bon les amis, on a fini de manger, on rentre à la maison là. Avec Rizlan. 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 Ouais, Rizlan. Sors-toi Kamkam, je vais montrer un truc de mas-mas. Regardez Rizlan, ce qu'elle a donné à mas-mas. Un truc pour attacher les lunettes là, mais c'est vachement joli. Hein, c'est avec joli hein. Des diamants, des genres de ouais, diamants. Des genres de oui, c'est des trucs fantasy. C'est mais voilà, c'est joli. Un peu. Un peu joli ou beaucoup oui, joli? Un peu. Non, c'est beaucoup joli. Fais pas ta jalouse. Regardez les amis. Elle fait la faillotte. Et on dit coucou à Lia. On dit coucou à Lia, ouais, si elle regarde la vidéo, coucou Lia. Bon les amis, maman elle prépare. Ben oui, on accueille bien Rizlan, il mérite. Nos invités, bien sûr. Oui. Petite menthe fraîche, petit thé. Voilà, on est bien. Avec plaisir. Là, Habib, il est content. On aime beaucoup les invités, on aime accueillir les gens. Ouais, c'est sûr, c'est normal. Faire plaisir aux autres, faire plaisir pour moi. C'est beaucoup plus plaisant que quand tu te fais plaisir à toi-même. Ben oui. Quand tu vois la joie sur le visage de ceux que tu as bien accueillis ou ceux à qui tu as donné. C'est pour ça, les amis, si vous pouvez donner, si vous pouvez faire du bien, on vous encourage, faites-le. Ouais. Il faut faire du bien. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de mieux et il n'y a, pas une meilleure sensation que quand tu fais du bien, surtout à des enfants, voir leur visage qui s'illumine, des choses comme ça. Faites ça. Pensez à ceux qui n'ont pas grand-chose, les amis. Voilà. C'est un petit message et c'est important. Il faut toujours penser aux autres et ne jalouser personne. Allah est grand et il vous arrivera du bien. Franchement, c'est comme ça. C'est vrai. Vous êtes bien, vous souhaitez du bien, vous n'avez pas un mauvais fond, tôt ou tard, il vous arrivera du bien. Dieu, il ne va pas vous oublier, ouais. Il va vous donner vos trucs. Votre hack. Donc voilà, on est en train de préparer, les amis. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent est-ce que vous allez faire de nouveaux clips, préparer de nouvelles chansons. Ben, les amis, c'est en préparation, je l'ai dit au début, mais là je vais répondre franchement à la question. Masma s'est occupé à un jeu sur le téléphone de maman. On en prépare plusieurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il fallait le temps de trouver un studio sur Marrakech. Là, on en a sûrement trouvé un. Il y avait le ramadan, ça nous a un petit peu freiné aussi tout ça. Le temps de s'organiser, c'est du travail, faire les clips, etc. Écrire les chansons, trouver les bonnes chansons, etc. etc. Mais on a bien avancé, on avance bien et il y aura plusieurs clips, 2, 3, voire 4 d'ici la fin de l'année. Donc ça sera pas pour tout de suite, ça sera plus pour la fin de l'année. Donc voilà, pour répondre à la question de certains. Comme il est en train de dessiner, tu es en train de faire quoi? Un escargot? C'est les yeux de l'escargot ça? Non, c'est quoi? Le ciseau. Un ciseau? Ah, t'as fait avec le ciseau là-bas. Ouais. Non, mais en fait c'est une cachette et si
tu fermes ça, la cachette, elle se ferme. Et si tu l'ouvres, tu ouvres. La cachette, elle s'ouvre. Non, tu ouvres ça et d'un coup, tu vas dans la cachette est multicolore. D'accord, mas-mas. Cam-cam. Et des fois, il y en a qui me disent, oui, t'as dit mas-mas alors que c'était cam-cam. Ouais, des fois, je confonds les amis. Je peux même dire des fois maman des fois, à la place d'Asma, ouais, des fois. Des fois le cerveau, les amis, des fois je fais des petites erreurs dans les vidéos. Je dis des choses qui je le vois après au montage mais je laisse comme ça. Voilà. C'est comme ça, c'est pas grave. L'erreur est humaine, on fait quelques petites erreurs. Même des fois de français, des fois je m'entends parler, je me dis mais qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit, je suis hors sujet, j'ai même pas mis de verbe, mais voilà. Nature peinture les amis. Bon les amis, nous on est parti avec Mas-Mas, on est allé réceptionner le canapé pour l'appartement. Vous allez voir, franchement il est pas mal du tout. On l'a encore laissé sous le plastique, les coussins, tout ça sous le plastique. Là maintenant, on va plus vous montrer l'appartement. On vous montrera une fois que ça sera terminé. Le bouquet final, les amis. Et comme quand on est rentré, elle était en train de regarder les dessins animés, les triplés. Et voilà. Là, il y a Rizlaine qui va partir avec une copine à elle. Oui. Faire le tour de la ville en moto. Ah, avec une moto, ouais. Et elle va rester avec son amie. Elle reviendra demain matin, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Et voilà. On a passé une bonne journée. Bonne journée, ouais, ben oui. Demain, Inch'Allah aussi. Inch'Allah. C'est pas fini. Inch'Allah. Elle repart dimanche. Elle va revenir. Inch'Allah. Peut-être demain soir, elle va encore nous lâcher. Non. Elle va partir chez sa copine. Là. Non. 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 Ouais, enfin, voilà. En tout cas, elle fait comme elle veut. Elle est la bienvenue si elle veut. Elle fait comme chez elle. Elle est en train d'écrire les paroles. En arabe. En arabe, ouais, ben oui, normal. Bon, chanter toutes les deux avec maman en arabe et Masma et papa. Ils chanteront en français. Et Kamkam, je sais pas ce qu'elle fera, si elle chantera ou pas. Tu veux chanter? Tu voudras chanter ou pas? Un peu? Ouais, il y en a qui nous demandent pourquoi Kamkam ne chante pas, tout ça. Elle est petite et les fois où on lui a demandé, elle n'avait pas forcément envie. Donc voilà, on lui fait dire quelques mots comme Aywa, des trucs comme ça. Mais on ne va pas la forcer, on ne force personne. Des fois dans une vidéo, vous ne voyez pas Kamkam, vous ne voyez pas beaucoup Mas-Mas. C'est que ce jour-là, elle n'a pas spécialement envie, tout ça. Donc voilà, chacun est libre de faire ce que bon lui semble. Bon les amis, tout le monde est parti au lit. Moi je regarde le match du Maroc qui joue en finale contre le Sénégal. Les Marocains gagnent 1-0 à la mi-temps. Inch'Allah ils gagnent. C'est la finale, ils seront champions d'Afrique. S'ils gagnent. Mais c'est pas fini, il reste encore une mi-temps. Et le Sénégal, ils ont une bonne équipe. Donc voilà, bon, on espère que ce petit vlog vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Bye bye.